Il est 22h, c'est Radio Manœuvre. Tous les jeudis, 22h minuit, c'est Radio Manœuvre sur RFM. Rockeuses, rockeurs, vous écoutez Radio Manœuvre et je veux vous dire bienvenue, oui, bienvenue dans l'émission qui, chaque semaine, tente de faire exploser le rock'n'roll dans votre radio. Un rock qui, cette semaine encore, nous réserve son lot de surprises, rééditions, retrouvailles. Où trouve-t-on du rock ces jours-ci? Eh bien, à la télévision, sur arte.fr. En ce moment, on trouve un doc sur Status Quo. Au début, on regarde, on se dit « Oh, beauf, Status Quo, mouais, mouais, mouais ». Et puis voilà, au final, on ressort éberlué par ce déluge de riff boogie, ces explications entre anciens copains 40 ans après. Et si vous regardez, j'en fais le pari, vous allez vous retrouver en train de miauler comme un veau mangeant des madeleines. Radio Manœuvre, c'est parti. En deuxième heure, nous aurons un invité incroyable, un très grand chanteur de glam rock français. Écoutons Status Quo tout de suite, c'est ça Radio Manœuvre. C'était une chanson de John Fogerty, Rockin' All Over the World, chanson reprise par Status Quo en 1977. Et puisqu'on parlait rockumentaire, sachez que Netflix annonce 3 gros docus sur Iron Maiden, Aerosmith et Metallica. La semaine dernière, j'ai encore reçu un rapport sur les 30 chansons les plus streamées de la planète. Et bien sûr, il y a Hotel California dans ces 30 chansons. Sauf que tenez-vous bien, il y a 3 versions différentes de Hotel California dans les 30 chansons les plus
streamée de la planète. En voici une version différente, celle de la reformation, connue sous le nom de code Il gèle en enfer. Elle est très hispanisante, sublime, limite flamenco. Écoutons Hotel California par les Eagles. Champagne.
master's chambers. We gathered for the feast. Stab it with their steely knives, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the nightman, we are programmed to receive. Check out anytime you like, but you can't never leave. Radio Manœuvre sur RFM. C'était les Eagles, Hotel California, la version Till Hell Freezes Over. Ces jours-ci, tout le petit monde du rock a les yeux tournés vers un petit groupe australien que je vous passe et repasse depuis 2 ans. Oui, je vous parle bien sûr de Amyl and the Sniffers, qui sort ces jours-ci un nouvel album intitulé Cartoon Darkness. Amyl, c'est un peu Iggy Pop version fille d'aujourd'hui. Elle joue de sa nudité et adore plonger dans la foule pendant les concerts. Souvenez-vous, je vous avais passé leur reprise de Born to be Alive de Patrick Hernandez. Voici un titre du nouvel album de Amyl and the Sniffers et ça s'intitule Big Dreams. You got them big dreams. You wanna get out of here. You're sick of being stuck in the apartment. You're strapped for cash and well, you don't know where to start. It isn't easy with the price of living, but oh, I know. It's coming round again. Another birthday and another year older. Oh, I know it's coming round again. Just take a breath and get yourself together. I swear, hey, when you get down, ooh, you're a lit one. Never been a dull one, always been a big star. Hey, when you get down, ooh, you're a lit one. Always been a dull one. It isn't easy when the town's full of broken hearts. Can you be holding on any tighter? Just take a breath and get out of this place. I know you can, just get yourself together. Oh, I know. It's coming round again. Another birthday and another year older. Oh, I know. It's coming round again. Just take a breath and get yourself together. I swear, hey, when you get down, ooh, you're a lit one. Always been a big star, never been a dull one. Hey, when you get down, you're a lit one.
Emil and the Sniffers, Big Dreams. Bien sûr qu'on a des rêves immenses à chaque sortie de nouvel album. Philippe Catherine est sans doute la personnalité française la plus en vue sur Internet depuis son incroyable apparition en Schtroumpf Dionysiaque lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024. Il publie ces jours-ci un nouvel album dédié à son chien et intitulé Zouzou. Dessus, un morceau étonnant, étrange et qui me laisse perplexe à chaque écoute, Dormir en cuillère. Dormir en cuillère avec toi. Dormir en cuillère avec toi. Me réveiller, j'ai un peu froid. Je te fais un café long. La radio, les chansons, tiens, le PSG gagne au Barça, le climat c'est n'importe quoi, dire que je suis comme tous ces cons qui peuvent pas changer de direction. Enfant arrive en criant, mais il crie en se marrant. Je suis pas sûr qu'il soit plus adapté. Moi je ne l'ai jamais été. Je suis habillé pour l'hiver. Zouzou aussi veut prendre l'air. Je te crie, j'y vais chérie. Tu dis oui en montrant ton derrière. Téléphoner à Eddy. Zouzou court après la perdrix. Les nuages se dégagent. Laisse le soleil sur le bocage. Dormir en cuillère avec toi. Se promener dans les sous-bois. Lancer loin une pomme de pin. Comme ça, pour rien. On fait toujours la même chose, mais c'est toujours différent. Il n'y a jamais de pause, le temps avance tout le temps. On fait toujours la même chose, mais c'est toujours différent. Il n'y a pas de bouton pause, ou alors c'est stop éjecte. Définitivement. Sur RFM. C'était Philippe Catherine, Dormir en cuillère. J'entends des trucs très étranges sur le nouveau Primal Scream. Le nouvel album du groupe vient d'arriver et clairement, ce n'est pas du même cuir que le nouveau Cure. Mais bon, Primal Scream aujourd'hui, c'est toujours le guitariste Andrew Innes et le chanteur Bobby Gillespie. Un Bobby Gillespie qui, semble-t-il, vient de découvrir Chic et le Disco, ce qui nous vaut un album truffé de petits riffs à la Nile Rodgers. Mais que vont penser les fans de Screamadelica de cet ovni? Heureusement, c'est David Holmes, le DJ irlandais, qui produit. Écoutons Innocent Money, Primal Scream, le toujours difficile 11e album. Sleeps on garbage heaps, streets
on the mattress he keeps, strapped to his back. A sleeping bag of rags and a five-star shop doorway. From one of the best home, can loud wind cutting deep through his bones. Horse in his bag, in the mattress on his back, the wall that he owns, and nobody visits, and nobody cares. They've got no clue that he didn't choose his payment blues. And the world keeps turning just a little more. And all he can hope for is some money to score. Some money to score. C'était Primal Scream. Les gens de RCA continuent de rééditer du Elvis et cette fois, ils ont collé le gros son 2024 au fils de Memphis. C'est vrai, les chœurs font des glissades, la guitare picore la mélodie et Elvis est royal au bar. Quelle classe! Au fait, mon nouveau livre, La discothèque ultime, sortait hier en librairie. C'est un livre énorme, le catalogue des 150 disques les plus incontournables. Si vous êtes parisien, je vous le dédicacerai chez Gibert, boulevard Saint-Michel, ce samedi vers 17h30. Bon, assez parlé de moi, écoutons la vraie légende. Voici Elvis dans Radio Manœuvre. I got a woman here, she can be cool. She crossed his path last night. I got a woman mean as she can be. Sometimes I think she's almost mean as me. Kissed so hard, she blew my lips. Hurt so good, my heart just slips. I got a woman.
She makes love without a smile. Ooh, her dog, it drives me wild. Jusqu'à minuit, c'est Radio Manœuvre sur RFM. C'était Elvis Presley, magnifique version de Mean Woman Blues. Alors que 2024 se termine, il sort peu de disques finalement. Par contre, on constate un raz-de-marée de livres rock. Ainsi, chez moi, cette semaine, j'ai reçu un énorme pavé sur la discographie complète de Motorhead, un ultime volume de Jérôme Soligny sur David Bowie, Rainbow Man, et un livre de Chloé Mons, épouse de Alain Bachung, un livre intitulé Spacing, livre plein de photos qui ne sont pas des clichés. Sur ces entrefaites, est-ce qu'on n'écouterait pas quelque chose de totalement différent? Par exemple, Ike and Tina Turner nous interprétant Louie Louie. Louie. C'était Ike and Tina Turner, Louie Louie. Au chapitre des coffrets qui font rêver, on nous annonce la réédition de l'album King of America de l'autre Elvis, Elvis Costello. King of America est un album important, un de ses meilleurs, le dixième. Il fut enregistré en 1985 avec, tenez-vous bien, James Burton à la guitare, Jerry Sheff à la basse et Ronnie Tutt à la batterie. Autrement dit, les musiciens d'Elvis Presley qui venaient jouer avec Elvis Costello. Il y a des choses magnifiques sur ce disque qui explore l'Americana. Il y a surtout cette reprise inouïe de Don't Let Me Be Misunderstood. Joy that's hard to hide.
other times it seems that all I have to do is worry, and then I know you're bound to see my other side. C'est Radio Manœuvre sur RFM. C'était Elvis Costello, l'admirable Elvis Costello, avec son « Don't let me be misunderstood ». Alice in Chains aussi refait parler. Vous connaissez peut-être Jerry Cantrell, le guitariste survivant du groupe grunge de Seattle. Eh bien, il vient de donner une interview radio et on peut dire qu'il n'est pas tendre avec les plateformes musicales, le Jerry Cantrell. Pour lui, le modèle économique de ces plateformes, Deezer, Spotify, etc., est mauvais. Je cite « mauvais pour les artistes qui ne perçoivent que des poussières de centimes à chaque passage de leur chanson ». Je vous cite Jerry Cantrell « Au bon vieux temps du rock, on entendait notre chanson à la radio, et ben voilà, c'était 10 centimes dans la tirelire. Aujourd'hui, tout augmente, louer un bus, payer l'essence, les salaires des icos, et pourtant, les musiciens gagnent de moins en moins ». Écoutons Alice in Chains, écoutons le morceau qui a fait rentrer le groupe dans la cour des grands, « Man in the Box », avec Jerry Cantrell à la guitare. Wow.
C'était Alice in Chains, bien à sa place dans Radio Manœuvre. Oasis a encore rajouté quelques concerts en Australie et aussi en Amérique du Sud. Pourquoi pas ? Du coup, les frangins Gallagher vont faire 25 stades en 2025, mais toujours aucune apparition en France, pays qu'ils ont l'air de vouloir éviter. Serait-ce par superstition, parce qu'ils se sont dissous en France la dernière fois ? Allez, pour se venger, on va se faire un petit medley Oasis Blur dans Radio Manœuvre. Jeudi, 22h minuit. Ah bah, je crois que vous n'êtes pas encore prêt pour ce genre de choses. Par contre, vos gosses vont adorer ça. C'est Radio Manœuvre, uniquement sur RFM.
Jusqu'à minuit, c'est Radio Manœuvre sur RFM. Voilà, c'était Blur avec Girl Boys et juste avant Oasis avec leur fameux morceau Roll With It. Événement de cette semaine, la réédition du premier album des Talking Heads, le fameux disque à la pochette toute rouge et au lettrage vert fluo, désormais devenu un double album avec deux versions tout à fait étranges en bonus de Psycho Killer. Elles ont été rajoutées par le compilateur. On va en écouter une qui est bien différente de celle qui fit connaître le groupe. Voici donc ce qu'on appelle la version alternative de Talking Heads Psycho Killer 1977. Run, 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 run away.
C'était Talking Heads, Psycho Killer. Vous me suivez peut-être sur Instagram, et donc si c'est le cas, vous avez vu, mon papa, 96 ans, vient de partir. Et quand des trucs aussi réels, mais trop réels à la fois, vous arrivent, clairement, on a besoin de musique pour affronter la réalité, pour se remonter le moral. Devinez quoi ? Il existe des dizaines de chansons sur les parents et les enfants. Mais pour moi, il y en a une qui se détache, « My Old Man » de Yann Dury. On l'écoute ? He was never home for long. Drove a bus for London Transport. He knew where he belonged. Number 18 down to Euston. Double decker, move along. Double decker, move along. My old man. Later on he drove a roller, chauffeuring for foreign men. Dropped his H's on occasion. Said go blimey now and then. Did the crossword in the standard. At the airport in the rain. At the airport in the rain. My old man wouldn't ever let his governors call him Billy, he was proud. Personal reasons make a difference. His last bus was allowed. Perhaps he had to keep his distance. Made a racket when he round. Made a racket when he round. My old man. My old man. My old man was fairly handsome. He smoked too many cigs. Lived in one room in Victoria. He was tidy in his digs. Had to have an operation. When his ulcer got too big. When his ulcer got too big. My old man. Talking, relations had begun. All the while we thought about each other. All the best, mate, from your son. All the best, mate, from your son. My old man. My old man. Sur RFM. C'était Yann Dury, My Old Man, dédié à mon papa. On écoute quelques petits messages et on se retrouve juste après avec notre invité, le chanteur des Frenchies.